En fait, c'est en fait, moi je t'avais dit la dernière fois, c'était sur. En fait, tu peux regarder toi sur internet, ça s'appelle Orange, c'est Radio, c'est Radio Orange. Moi, ça, moi je m'en sers pour. Ça, moi je m'en sers pour. Attends deux secondes. Alors, t'es impatient toi, t'es impatient. Attends, parce qu'il est où le rythme? Bah, il est où le rythme? Ah là, non, parce qu'il est là. Ah, c'est bon. Et comment dire, et en fait c'est radio, en fait c'est Radio Orange, c'est Orange quoi, c'est Orange quoi. Et en fait c'est la même, en fait c'est la même application que j'utilise sur mon téléphone. Et en fait j'utilise cette application-là sur mon téléphone. Donc c'est pour ça. C'est vrai que. Puis t'as tout moi, Alors comme ça, je danse sur un pole dance. Oui, c'est le délire du metagame, oui. Il y a un metagame qui dit ouais il dit ça, j'ai fait ouais ça c'est dans ton imaginaire ça. Il dit ouais ça c'est dans ton imaginaire ça que j'ai dit. C'est dans ton imaginaire. Bon. Alors. Alors, va y avoir. J'espère que tu te débrouilles mieux sur J'espère que tu te débrouilles mieux sur Rimoria que sur Fortnite, Yukino. Hein? Hein, Oh, ça Yukino? dépend. Ça dépend. Non, parce que tout à l'heure avec Damien, on t'a gagné tout à l'heure, mais c'est que moi sur en multi en comment dire sur Rimoria, moi hier j'en ai fait deux des kills. Et puis tu sais aussi que, puis tu sais aussi que sur Immortal, quand tu meurs, t'es un poulet. Tu peux être trois fois un Bah oui, poulet. je sais comment, il n'y Tu peux être trois fois un poulet, Minimum, trois fois. tu tournes 20 secondes en poulet, tu contournes le caillou et c'est bon. Non, non, non. Tu dis Moi je vingt fais ça. secondes. Oh ouais, Du mais coup, non tu mais. entends tourner en rond. Oui, mais tu peux Bon. être trois fois un poulet. Ça qui est bien. On Ça qui est connaît bien le d'ailleurs, pire. Hein. Ouais. c'est ça qui est bien d'ailleurs sur le jeu, c'est que tu peux, ça qui est, ça qui est marrant déjà ce jeu, ça qui est marrant. Moi j'aime bien, moi c'est drôle. Marrant. Ma discussion vocale. Le son est à fond et j'ai du mal à vous entendre. Ben ça. Ah non. Mais quand tu, mais comment dire, tu sais que dans les paramètres de la console, t'as. Moi c'est comme ça que je fais moi, dans les paramètres de la console, tu sais t'as les types pour le son, c'est pour les, c'est le mélangeur de son, que ça s'appelle le mélangeur, et moi je le mets à 50% moi. Parce que si le son du jeu il est à Je sais pas, 100%, je crois pas. si le son du jeu il est à 100%, bon tu risques, déjà que mon micro que j'utilise il est pas comme là sur ma tête parce qu'il est à côté de moi, mais moi quand, enfin parce que des fois avec ton micro t'as un petit t'as un tout petit écho que j'entends, enfin, pas grand chose un écho, pas grand chose mais un petit peu. Et moi j'entends parler, et moi j'entends ma voix, et moi j'entends ma propre voix. Ah. Donc si j'entends ma propre voix qui vient du micro à côté de moi, là, et si j'entends ma propre voix, c'est que toi tu devrais aussi m'entendre. Sinon, Bon, moi, je tu vois. pense que je suis moins chauffé en Royal que sur Fortnite. Hein? Je pense, hein. J'ai jamais fait la différence. T'es plus fort. Moi, je pense que je suis plus fort en Fortnite qu'à l'en Royal. Salut la rédemption, welcome. Hein, rédemption. Hein. Et je fais des games, hein, mais. Salut rédemption. Ça, genre, j'ai un minimum, Salut mais. rédemption, salut Victorine. Bon, Voilà. salut Victorine. Moi, je joue. Bah, moi aussi je joue, hein, qu'est-ce que tu crois? Ouais, moi je suis toujours dans le chargement. Moi ça prend 2 ans mon chargement. Ah non, moi je suis dans la. Dans le dirigeable, moi. Moi je suis toujours dans le chargement. Ah oh, c'est ça, c'est. Ah c'est mon chargeur. Oh là là, fin là, ça prend 2 ans. T'es encore en chargement là? Bah ouais, je suis encore en chargement. Et moi je saute là, moi. Je vais bientôt passer. Moi je suis déjà par terre. Oh non, connexion serveur impossible. Oh non, ça m'a décollé du serveur. Ah, carrément. Oh. Ça m'a mis connexion serveur impossible. Ah. Décidément.
Bah moi j'y arrive en tous les cas. Moi je suis changé. Je vais essayer de faire la partie bah seule. Hein. Ah moi j'y arrive. Hein. Moi je suis bien, je suis sur la partie moi. Bon on va essayer, c'est pas grave. On va essayer, c'est pas grave. Pas grave. Pas arrivé, hein. Pas arrivé. T'as peut-être pas très bon. T'as peut-être pas une très bonne connexion. Peut-être. What, je suis en game. What? Pas de langue. Moi je comprends plus rien, mais... Je comprends rien. Ah ouais, t'es là. Ah ouais, on est pas du tout à côté. Là, je suis en poulet. Là, je suis en poulet. Après, là, je suis en poulet. J'adore le poulet. J'adore le poulet. Oh putain. Ah, j'adore. Ah, merde, de merde. Surtout moi, ce qui me fait marrer, en poulet, c'est que tu peux, à mon avis, et c'est là où tu dis que les mecs ils doivent rager, parce que c'est là où tu dis que les mecs ils doivent rager, parce que sur Fortnite ils tuent pas, peut-être t'es mort, mais non, pas sur les moyens. Ouais. C'est là où tu dis que les mecs ils doivent rager devant leur micro en train de dire, putain, je l'ai pas tué, putain. C'est pour ça que ce jeu j'aime bien, moi. C'est pour ça que ce jeu me fait marrer, moi. Il me fait marrer. Ah putain. Ah bah il m'a mal barré. J'en ai pas servi le moment. Et moi je veux pas de pouvoir, moi. Ah okay. Putain. Enfin, je pense que j'ai un pouvoir. Laisse-moi défaire mon prix. Ah, pourquoi moi j'ai un... Personne. Ça me tue. Eh merde. Ouais. Good. Ah bah t'es mort. Ah mince, c'est toi qu'on voit. Je sais pas. Ah moi je suis mort. J'ai mort. Mais franchement, tu le préfères pas à Fortnite? Sincèrement? Bah je sais pas. Ça dépend les goûts des gens, je trouve. Enfin, tu vois pas et tu te rends et Fortnite quand même. Il n'y a pas de pouvoir comme sur celui-là. Il n'y a pas de pouvoir sur Fortnite. Les armes sur Fortnite, elles sont pas illimitées. T'es obligé d'avoir des armes sur ça parce que sinon tu peux pas tirer. Là sur celui-là, toutes les armes que tu peux ramasser, c'est en illimité les munitions. Donc il y a quand même une sacrée différence entre Fortnite et Real Royal, non? Ou pas? Ouais. Et puis sur Realme Royal, t'as pas de skin. Enfin si, t'as les skins, mais bon, c'est pas aussi important que sur Fortnite. Moi, je sais pas. Tiens, tout à l'heure, j'ai vu, là, avant d'aller manger, j'ai vu un gamin, il avait 14 ans, le gamin. Il proposait de l'argent à ses viewers. Il proposait 10 euros. Un gamin de 15 ans. Puis je te raconte pas le parler, hein, du gamin. Oula, le gamin. Tu te rappelles Damien les autres que j'ai joué avec eux sur The Division? Bah le gamin de 14 ans pareil. Exactement pareil. Même parler. Même grossièreté. Moi je joue pas Division. Oui non mais tout, je. C'est un Rainbow Six. Ah, non, parce que Damien était avec moi quand je parlais avec des. Quand je jouais avec des gars sur Division 2, parce que j'étais bloqué, enfin j'étais. Je voulais faire une mission, puis j'arrivais pas seul. Puis j'avais fait un billet. Puis t'as deux gars qui sont pointés, enfin un qui sont pointés. Un mec qui était à peu près correct, enfin. Il parlait correctement, il avait pas de vulgarité ni machin, mais il y avait un autre. Oula. Salut gamer. T'es où? Hein, je suis où? Je vois pas. Ah, t'es mort? Bah oui, je suis mort. Tu fais quoi, la gamer, hein? Tu fais quoi, la gamer, hein? Tu fais quoi avec tous tes jets, hein? Tu sais que tu peux mettre... tu sais que tu peux mettre GG avec des images, hein? Tu sais? Non, c'est pas. Ouais, je me vois une grosse tête, là. Ouais, j'ai une grosse tête, là. Regarde donc. Tu me vois avec une grosse tête ou pas? Ouais. Je te vois avec une grosse tête, ouais.
Regarde donc, tu vois. Regarde donc. Non, mais c'est pas là. Regarde donc, tu vois, et 40. C'est à 8 en plus, hein. C'est à 8, hein. C'est pas là. Ah, donc clavier a bugué. Je sais pas comment j'ai fait, ouais. Ah. Je sais ce que c'est un clavier qui bug. Tu fais tomber quelque chose ici, puis pouf. Je sais ce que c'est un clavier qui bug. C'est pas super. Pas génial. Mais non, j'ai remarqué un truc hein, sur Mixer. Hein. T'as de plus en plus de gamins de ton âge qui font des... T'as de plus en plus de gamins de ton âge ou plus jeunes que toi qui font des... qui font des diffusions sur Mixer où ils promettent 10 euros par-ci, 10 euros par-là. C'est... Je trouve ça... Moi, je trouve... Tu connais à faire ça. Hein, quoi? Bah, moi, je trouve... connu à faire ça. Oui, mais moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal qu'un gamin de 14 ans fasse ce que fait un... Fasse ce que fait un adulte de mon âge... Enfin... Faire ce que certains adultes de mon âge font, quoi. Pas normal. C'est pas normal qu'un gamin... Enfin, pour moi, c'est pas normal. Après... Pour moi, c'est pas normal qu'un gamin de 14 ans dise à ses viewers quand il diffuse, ouais... En plus, il disait celui qui faisait une bonne... Tu sais, une figure, je sais plus quoi, avec ses, avec son bonhomme, là, ça met sur Fortnite. Et le meilleur qui faisait ça, il gagnait 10 euros, quoi. Je trouve ça... Enfin, moi, je trouve ça... Moi, j'ai 10 ans, hein. Moi, je trouve ça... Oui, non, mais 10 ans, oui, mais voilà. Et le gars, je te parle, là, il avait 14 ans. Il avait 30 ans de plus. 4 ans de plus. Moi, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Ouais. Chacun pense ce qu'il veut. Hein, t'es parti? T'es parti, du truc, là? Bah, je te vois plus. Ouais, tiens, je t'en vais, toi. Ouais, parce que je te vois plus. Comment dire? Ouais, donc. Bon, moi, je pense que t'as remarqué, moi je suis meilleur. Hein? Je suis largement meilleur si? En Fortnite. Hein. Ah, Victorine? Ah, d'accord. Mais non, t'es pas meilleur. Je fais n'importe quoi. En plus, j'ai même pas pris mon perso. Pourquoi que tu dis que t'es pas bon? Pourquoi que tu dis que t'es pas bon? Pourquoi que tu dis que t'es pas bon? Hein? Ouais, parce que je suis pas bon à un royal. Ouais, arrête. Ouais, t'as vu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Bon, ça me donne pas, c'est ma première game. C'est pas un mal gamer, t'es bien d'accord avec moi? Bon, voilà. Ah, au moins un qui est d'accord avec ce que je dis. Pas souvent. Hein. C'est quoi? Non, je dis que les gamins de 14 ans devaient pas faire... Il dit que les gamins de 14 ans ne devaient pas faire ce que font les adultes de mon âge ou peut-être plus jeune que moi sur ce mixeur. Et le problème c'est que ça devient de plus en plus quoi. Ça c'est vrai. On va dire que c'est pas que Mixer c'est de la merde. Gamer, c'est pas que Mixer c'est de la merde, c'est juste que... Enfin... Mixer, faut dire ce qu'il y a. Déjà au niveau du chat sur Mixer, ça ne défile plus. Ça ne défile pas le chat. Alors t'es obligé de descendre toi-même. Oula. C'est qui celui-là, je sais. C'est un de tes potes? C'est un pote à moi. Ouais. Qui a aussi Rhythm? Non. Oh, parce que si tu comptes inviter tous tes potes dans le groupe d'amis. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Parce que... J'espère. Ouais, donc je disais, ouais, donc je disais, oui. Tu sais, t'as le chat, tu sais, quand tu mets, quand tous les messages arrivent, bah, au lieu que le chat, il se déroule, bah non, il défile pas. Tu vois. Alors, t'es obligé, toi, avec ta main, si t'es sur ton téléphone, de descendre. Parce que le chat, alors. Quand t'as un téléphone, bon, tu peux te démerder en faisant... Ouais, je sais pas. Tu peux te démerder en faisant... Mais quand t'as pas de téléphone... Et quand t'as l'encadré bleu avec le chat... Eh ben, t'es pas dans la merde.
Ouvre ta porte, c'est la police. T'entends qu'après de faire du Fortnite. Quoi? C'est Mélie? Bah... Bon, tout le monde. Pourquoi j'entends pas ton pote? J'ai le ciel. Allô? Enfin, je l'entends, mais en tout bas. Bah, de faire du Fortnite, tu vois. J'entends pas le bonhomme. On l'entend pas, j'ai le ciel. Enfin, moi, j'entends pas. Tu parles de faire du Fortnite? Tu parles à qui? À moi ou à j'ai le ciel? Non. Non, à toi. Et à. Oh putain. Il a quel âge ton pote, là, j'ai le ciel? On l'a perdu, Yokino. Hein? Oh là, c'est quoi ce bordel là? Merde! Il a quel âge ton pote, j'ai. God. Il a quel âge ton pote, j'ai le ciel? Yukino? Yukino? Yuki. Yukino? Parle à mon cul, ma tête est malade. Oh, Yukino? Ouais. Il a quel âge ton pote, j'ai le ciel? Il a le même âge que moi. Présent? Non, 10 ans. 10 ans? Oh la vache. Maintenant, il est 11. Vous êtes bien oui. Témoin que vous êtes avec des adultes là, de 30 ans et plus, hein? Hein? Ouais, quoi? Oh bon, ok, d'accord. Non, mais parce que vous fois... aimez bien, vous aimez bien les petits loups. Non, mais parce que des fois. Non, mais parce que des fois, il y a des. Bien les petits loups, petits des déchets. Fois, il y a des gamins de 10 ans qui, quand tu leur dis 30 ans, ils. Oh là, 30 ans, beau bise barre. Veux? Oui. Salut la gamer! Putain! Quoi? Parce que t'en as 1 million, non mais TG là, pourquoi tu les utilises pas? Que t'en as 100 030. Mais G. Alors mais G pour ça, mais G pour information. Mais G pour information, c'est des. Alors les G comme tu dis, c'est des types pour les. Par rapport au succès. Ouais, mais toi t'arrives à l'entendre. C'est les trucs que tu gagnes quand tu fais des. Quand tu gagnes des coupes. Alors, les succès, ça, alors les succès, tu payes des skins que tu ne peux pas avoir dans les jeux, mais tu les utilises pas. Et t'en as 1 032 800. Comment t'arrives à les entendre, Hervé? Bah, il m'a mis en ami. Il m'a mis en ami, donc c'est fait pour ça. Non, c'est pas pour ça que je t'ai mis en ami. C'est ça. Ah bon, c'est pas pour ça. Y'a un problème, en fait, pour entendre les gens, je dois les mettre en ami, quitter le groupe et revenir. Voilà pourquoi. Ah. Ah ouais, t'es pas avec moi. D'accord. Bordel. Donc tu m'as mis en ami pourquoi en gros là? Parce que j'ai compris. Ah mais sinon je peux te retirer de mes amis. Hein, Ah non, mais j'ai pas dit ça pour ça, non mais. Non, mais je. Oui, donc pour répondre à ta question de DG, je peux pas m'en servir, DG. Je peux pas m'en servir. Bah, je peux pas utiliser. Puisque c'est... Attends, je reviens. Alors en fait, Damien, de ce qu'il m'a expliqué là, apparemment, il ne peut pas. Alors pour parler avec des personnes, apparemment, il est obligé de les mettre en ami, de quitter le groupe d'amis et de revenir. Ah, c'est dans les paramètres de confidentialité. Oh, bah il veut que je le. Ça se règle. Il veut que je mette ton ami, Dame Semestre, je crois. Il me demande si tu veux. Il me demande Damien. S'il peut te mettre ton ami, Damien. Ah, ouais. Ah, je suis mort. Oui. Oui. Il veut que je le mette en ami pour qu'il m'entende, c'est ça? Bah, ouais, si tu peux, oui. Si ça te dérange pas. Ouais, c'est ça. Oula, qu'est-ce que c'est? Vev. Oui. Oui, Vev, oui. Vev, oui. On se fait du Fortnite après pour. Attends, Vev, toi, ta Fortnite. J'en ai fait deux heures, j'en ai fait. J'en ai fait presque deux heures tout à l'heure du Fortnite. J'en ai un petit peu marre de ton Fortnite. Hein? J'en ai fait pendant deux heures tout à l'heure de Fortnite. Hein? Alors, du Fortnite. Je sais, mais. Salut, tu entends là? Comment est-ce que ouais. Ouais. Ouais, donc je disais, Jaciel. Ouais, donc je te disais, Jaciel. Les G que tu me dis que j'en ai, je sais pas combien.
Les jets que tu me dis, Gelsiel, je peux pas m'en servir. Ils sont pas, on peut pas utiliser. On peut pas utiliser parce que Gelsiel. Si, tu vas sur la coupe de trophées. Ouais. Tu vas sur le stockage de trophées. Tu payes des skins que tu peux pas avoir dans les jeux. Voilà, ouais, c'est simple. Hein. Enfin, après, moi, je sais. Hein. Attends, tu m'as dit quoi? Tu pourrais faire un beau paquet de skins. Hein. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit qu'avec. Attends, tu m'as dit qu'avec le. Attends, t'es en train de me dire qu'avec tous les jets que j'ai, je peux acheter des skins? Avec les jets, par contre, est-ce que tu connais. Ah oui, tu peux acheter des cartes cadeaux, tout ça. Est-ce que par exemple, tu. T'as Rainbow, par exemple. Rainbow, tu connais? T'as? Oui, je l'ai, ouais. Rainbow, tu l'as. Bah, tu vas sur le. E-shop Rainbow. Ouais. Yo, sur Rainbow, t'as un e-shop. Tu vas dessus, oui. Et merci, ça te donne des skins que tu peux pas avoir. Des skins d'autres jeux, Ghost Recon, par exemple. Avec les jeux, avec les succès, avec les succès que j'ai gagnés sur la Xbox. Hein? Non. Après, si pour toi ça marche pas, moi ça marche. Hein. Vas-y, je vous invite. Ça sera déjà fait. Mais par contre, sur Fortnite, tu peux pas. Je suis un peu perplexe là. Je suis un peu perplexe. Sur Fortnite, tu peux pas. Comment ça s'appelle on en fait une dernière et après, si tu veux, on va sur Fortnite. Allez, Fortnite. Non. On en fait. Allez. Attends, Damien. Pas saison 9. Ah, mais attends, Damien, c'est pas en même temps. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Est-ce que tu parles de saison 9, toi? Saison 8. Si, je suis vieille, je vais le passer saison 9. Je te ramène sur Terre, on est saison 8. Je te l'ai dit hier que ça passe pas. Un mongol. T'es un mongol. Bah tu vois. Je t'ai dit que ça passe pas. Bon, ça s'appelle. Allez, choisis duo parce que moi je peux pas le faire. Moi je peux pas. Je peux pas choisir moi. Parce que c'est toi le chef. Ah, c'est bon, il est plus en connexion même. Moi je vous attends. Moi. C'est toi le chef. Oh, c'est beau ça. C'est toi le chef, yo. Attention, je préviens. Yo, Kino, c'est des moments. Il s'appelle Maxime. Et il est con. Je le dis tout de suite. Ça se fait pas. Bon, c'est quoi, je fais des parties de Real Montréal et puis toi avec ton pote. Ou avec Damien, tiens. Damien, s'il veut jouer avec vous, moi ça me dérange pas. Ah ouais, ça me dérange pas. Ouais, go, allez, l'invité surprise. Je suis un pigeon. C'est Yosko. Ouais, mais Damien, c'est trop drôle. Damien, si tu veux jouer avec eux. Si tu veux jouer avec les petits, vas-y. Hein. On va aller en créatif, on va aller en créatif. Oh putain. On va faire du 2v2. Oh, vas-y, bah va avec en créatif, tiens. Et Kina et moi contre. Tu vas voir ce que c'est. Tout à l'heure j'ai fait des autres Fortnite. C'est bon. Du Fortnite. On ira là. Du Fortnite, j'en ai ras la. Ah, c'est un mythe, okay. Ah, mais c'est pas des vraies parties, c'est du mocra, donc c'est bon. Ouais, non, mais. Je te crois. Hein. Non, mais moi, le Fortnite. Si j'en ai fait 2 heures tout à l'heure, c'est bon. Non. En plus, tout à l'heure, j'ai voulu faire. En plus, tout à l'heure, j'ai voulu casser des arbres pour essayer de me défendre quand on me tient dessus. En plus, les mecs sur Fortnite, c'est des Yamakasi. Ils sautent de partout là. Ouais, t'es déjà allé. Attends, t'as quelle évolution juste de ça? Quelle évolution de quoi? Mon crâne, t'es déjà allé évoluer. Quelle évolution de quoi? Les gros yeux. Pas saison 6. Je suis VIP. Voilà.
Non, c'est le 9 déjà. Oh. Je t'ai déjà dit, Damien, ça passerait pas. Oh là, putain. Alors, la Flucky. La Flucky, c'est un mélange entre adulte et gamin. Alors, excuse-moi, mais. Alors, Flucky, moi, c'est Damien, sans top 1. Non, mais Flucky, Flucky, non, mais cherche pas Flucky. 500 skins. Non, cherche pas Flucky, il est Apex, lui. Il est Apex, lui. Cherche pas. Tu connais Flucky. Vu l'âge qu'il a, à mon avis, Fortnite. Voilà. Non. Je crois que votre groupe, il bug là un peu. Ah bon? Il bug un peu. Oh là là. Ah ouais, d'accord, carrément. Quoi. Je crois que c'est surtout les deux qui bug, hein, je pense. Je crois que c'est surtout les deux qui bug là. Ah, je te jure. Ils se rendent pas compte, hein. Ils se rendent pas compte de faire 2 heures de Fortnite, mais ils se rendent pas compte. Hein. Ils se rendent pas compte. Ah, 2 heures de Fortnite, c'est. J'ai fait 2 heures de Fortnite parce que j'écoutais la radio, hein. Mais. À nous les enfants! Ils sont partis, les enfants. Je pense que, comme tu dis, c'est le groupe d'amis. Ou c'est le groupe d'amis qui bug ou c'est leur connexion qui déconne. Groupe d'amis de merde. Je me demande si la mise à jour va pas débarquer Xbox dès demain. Hein? Non, quand ça bug comme ça, non, il y a une mise à jour qui va pas tarder à arriver de chez Xbox. Je l'avais testé en avance, donc. Pas tarder, là. Parce que là, il y a des trucs qui bug un peu. Là. Et quand c'est comme ça, c'est que. Et elle apporte quoi la mise à jour? Que des merdes? Comme d'hab? Que des quoi? Des merdes? Que... Oui. Parce que généralement la mise à jour. Généralement quand Microsoft fait une mise à jour, généralement c'est pas. Généralement ça apporte rien. Mais deux trucs bien. Sur la ma télécommande OneGuide, maintenant je peux configurer sur le bouton OneGuide ce que je veux, que ce soit des jeux, films, applications. OneGuide? Quoi ça? Et puis. C'est quoi ça, OneGuide? C'est quoi OneGuide? Ah, parce que t'as la télécommande OneGuide? Et ça te sert à quoi? La télécommande Xbox. Et il y a un bouton là-dessus, c'est le OneGuide. C'est une application OneGuide sur Xbox. Et puis la deuxième chose, c'est quand tu restes appuyé sur le bouton de ta manette ou tes commandes. T'avais arrêté jusqu'à là et arrêté la manette. Mais il y aura aussi redémarrer la console. Bah, il y a aussi là. On démarre la console, ça y est aussi là. Moi je l'ai moi. Ouais, mais pas en restant appuyé sur le bouton Xbox de la console. Bah, moi j'appuie sur le bouton. C'est une guerre pour pouvoir redémarrer. Là. Ah non! Faut appuyer une fois et tu vas te. Alors, ça merde là votre. Ça merde là le groupe des mines. Hey, les enfants! Ah non, c'est vous! C'est vous avec votre code de merde là. Venez les enfants. Eh, votre code merde, t'es sûr? Et pendant que ça buguait, et je signale que pendant que ça buguait. Mon copain, c'est Michael Jackson. Je te. Et où? Non, bah, arrête, c'est toi, tiens. Michael Jackson, c'est toi, t'es mort, du coup. Tu devrais pas être là. Non, je suis pas mort. Je suis toujours. Moi, je vous déclenche à tout le monde. Je vais m'occuper de toi bientôt. Je vais t'emmener à Netherland. C'est pas bien. Quoi? Netherland? C'est pas bien. C'est pas bien. Netherland. Non, non, c'est l'endroit où. C'est l'endroit où les enfants. C'est l'endroit où les. Je dans mon train fantôme. Je trouve pas le mot Netherland, ça existe pas. C'est l'endroit où les enfants. C'est l'endroit où les enfants ils faisaient les choses. Ils faisaient les choses. Enfin, du moins que Michael Jackson leur faisait des choses. Que leur faisait des choses, du moins. Ouais, Michael Jackson, il chantait. Il chantait. Ah non. Non. Il faisait pas que ça. Je l'ai jamais aimé. Ah non, il faisait pas que les ça. Les chansons sont nulles. Ah non, il faisait pas que ça. Il faisait d'autres cochonneries. Ah non, il faisait d'autres cochonneries.
C'est pas non mais Damien tu rigoles Damien tu rigoles mais non mais Damien tu rigoles mais tu sais qu'ils ont fait un documentaire sur Michael Jackson là, sur la 6 là. Ah Damien. Ils ont fait des commentaires que j'ai regardé. Et on, Michael Jackson. Je peux dire que Michael Jackson il s'en prend plein la tronche. C'est pas ma faute. Les deux victimes, enfin les deux victimes qu'ils ont trouvées, qui témoignent dans le documentaire, ils disent précisément ce qu'il leur faisait dans la chambre quoi. Éjaculation, ils apprenaient à se masturber, etc. Il leur demandait même de lui toucher de toucher le sein. Enfin la poitrine. Je suis plus loin, HP. Ah oui, t'as. J'ai HP, c'est très bien. Bon, on te met un couteau, je crois que tu crèves. Tiens, tu vois, tu vois Yoko, là, j'ai tué un mec là, sur Rimoyen, tu vois. Tu vois un peu la différence qu'il y a entre Rim Royale et Fortnite. Tu vois la différence, hein. Oh, y'a un petit rocher. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent pas mal ce que je dis. C'est une impression ou. C'est une impression ou non? Ils sont tellement nuls les gens. Je te promets, ils sont nuls. Qu'est-ce qu'ils viennent jouer aux jeux vidéo? Je te promets, ils sont nuls à chier. Les gens, je sais même pas ce qu'ils viennent jouer aux jeux vidéo, ils sont nuls. Ils n'ont qu'à jouer à. Non, mais ils vont jouer à World of Land là. Ça c'est un bon jeu pour les lâchés. Parce que toi. Eh Yoko, tout à l'heure avec Damien, on a joué avec lui. Arrête de maltraiter son ombre. Espèce de maltraiteur de l'ombre. On a joué avec lui à Fortnite tout à l'heure. Il est quand même mort deux fois le premier en plus hein. Sur Fortnite. Il est quand même mort deux fois avant oui. Il fait de la sauve squad. Mon gros cul qui pue. Oh putain, salopard. Salopard fumier. Oh, ça va pas bien ça. Sur moi. Oh le fumier. Je mourir. Salopard. Oh salopard. Je suis un mec sympa. Fumier. Ah salopard fumier. Allez. Salopard. Oh purée, c'est pas bien ça. Pas bien ça. Salopard. Putain, j'aurais pu le dégommer tout à l'heure. Salopard. Pas bien ça. Pas bien mettez comme ça. Pas bien. Pas bien. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Impossible, mais que tu sois. Dis-nous. Allez. Salopard. Oh, il s'est pris au piège. Caresse-moi le boudin. Ouais. Non. Pas trop envie, non. Pas trop envie, non. Pas trop envie, non, rédemption. J'ai 20 HP. Allez. Pas trop envie. Pas trop envie de te caresser le boudin. Attends, j'ai une mini-pote. Non, 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 pas tous. Mais tu m'as pris la mini. J'imagine, comment il s'appelle? Attends, je sais plus son pseudo. J'imagine, j'ai le ciel. Ouais. Que t'es un bon, toi. Ouais, bonjour. Service de la pute, bonjour. J'imagine que t'es un bon, toi. J'imagine hein, parce que comme tu dis que les autres c'est des nuls comme tu dis que les autres c'est des nuls bah j'imagine ouais, que nul, j'imagine que toi t'es un bon toi toi t'es un bon tu meurs jamais toi t'es un bon tu meurs jamais j'avais 5 HP tu fais top 1 sur tu fais top 1 sur top 1 Je crois que tu vas me dire, je fais top 1 sans top 1.
Là, je rêve. Ah, je rêve encore. C'est vraiment ce que t'as dit. Ah, tu parles de Michael Jackson. Oula, d'accord, oui. Oula, d'accord. S'il a vraiment dit ça. Tu fais allusion à. Hein, tu fais allusion à. D'accord. C'est où okay. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, c'est là, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas si t'as vu le. Je sais pas si t'as vu le documentaire sur la 6. Et les deux victimes qu'ils ont interrogées, ils ont dit, ils ont tous les deux dit les mêmes choses. Je me suis pris double d'affilée. Non, il avait un. Il leur a appris à se masturber dans la chambre, à toucher les seins, à se. Enfin, bref. C'était vraiment. Voilà, c'était vraiment comme ça, quoi. C'était vraiment comme ça. Bon, évidemment, la famille. Évidemment, la famille a démenti. Plus de construit. Évidemment, la famille a démenti. Évidemment. Évidemment. Parce que dire que Michael Jackson. Mort, parce que dire que Michael Jackson faisait ça aux gamins. Évidemment. Pas très chaud d'ailleurs. Ah quoi. Comme tel. Mais tu sais que. Mais tu sais que Michael Jackson, à mon avis. Choper du lait dans son corps. Déjà qu'à la base, il était noir. Et qu'à cause de ses nombreuses opérations. Et il est devenu blanc avec l'âge. Il est devenu blanc. Bah, waouh, je savais pas, mec. Hein. Ah non. Non, pas. Pas avec l'âge, non. Il est pas devenu blanc avec l'âge. Il est. Ah, c'est un noir né noir et il meurt noir. Hein. Lui, il s'est fait opérer hein, pour être blanc. Mais alors, pas... il s'est fait. Mais tu me prends pour un con, toi, ou comment tu vas, toi? Tu me prends pour un con, hein. Oh. C'est sûr. T'es cas pour un gamin. T'es cas pour un gamin de 13 ans, hein, t'as de la répartie, toi. T'es un bon, hein, je te jure, t'es un bon. Ça te dérange. Est-ce que ça te dérange que je sois mal parti? Non, j'ai dit que. J'ai dit que tu avais de la répartie. J'ai dit. J'ai pas dit que tu étais mal parti. J'ai dit que tu avais de la répartie. Mais je m'en fous complètement. Ah, je te jure. Arrête, je t'ai entendu parler là. Hein. Je t'ai entendu parler, t'inquiète pas. Ah, tu m'entends? Je te fais chier là, je le sais. Hein. Je te fais chier. Ah, parce chier, que là. Des fois, tu m'as dit que tu m'entendais pas. Je croyais que tu m'entendais pas. Je sens que je. Mais pourquoi t'as pris le fait ça avec tes dents? Oh là là. Bon. C'est de la connerie. Tu crois ça Tu crois ça, Redemption? Il y a quand même eu des témoignages quand même assez conséquents qui l'incriminent dans ce qu'il a fait quoi. Il y a même un gars qui était un peu plus vieux que eux, ils ont bah pareil, il a témoigné contre lui. Donc c'est pas une connerie. Hein. C'est pas une connerie Redemption. Il a vraiment fait ce qu'on a accusé. Hein. Même s'il a jamais été condamné, il a quand même fait des attouchements sur les gamins. Hein. Donc voilà. Deux victimes qui témoignent contre lui, comme quoi qu'ils ont fait des fellations, etc. Voilà. Je vois pas leur intérêt qu'ils auraient à raconter des conneries. Hein. Je vois pas l'intérêt qu'ils auraient eu à raconter les conneries. Ah, après, moi c'est ça. Bah, ils ont témoigné quand? Ils ont témoigné avant qu'il meure, quoi. Avant qu'il meure en 2010, je crois. Il me semble qu'il est mort en 2010, Il me semble qu'il est mort en 2010.
Bah ils ont témoigné là quoi. Ils ont témoigné là quoi. Ils ont témoigné là. Quoi ces conneries hein. Arrête, t'inquiète pas, ici tout va bien, le groupe. Je crois que c'est leur connexion là, de merde. Ouais, je crois. Ok, hein. À venir, tiens. Venez, les petits. Je crois que c'est leur connexion qui... Ils ont témoigné quand? Bah oui. Bah, te rappelles pas, ils ont témoigné en 2000... Bah c'était avant qu'ils meurent. Bah y a quoi, c'est quand même un témoignage, c'est quand même un témoignage qui est quand même assez... je dirais qui est quand même assez... assez compromettant. Hein. Déjà t'as le témoignage, t'as leur témoignage à eux. T'as même le témoignage dans le documentaire, t'as même le témoignage de l'une de leurs mères, de l'une des mères, des gamins. Et il y en a une qui a dit dans le documentaire quand il est mort, le jour où ils ont annoncé sa mort, et j'étais contente parce que comme ça, je me suis dit comme ça, il fera plus de mal à personne, à aucun gamin. Parce que les gamins qui lui ont fait ce qu'ils ont fait, maintenant ils doivent avoir mon âge. Donc je vois pas l'intérêt qu'ils auraient à raconter les conneries. Certains disent que c'est pour se faire du fric. C'est quand même grave de prétendre que Michael Jackson leur a fait des choses pas très propres. Or que c'est pas vrai. Ça me paraît quand même. Voilà. Mais de toute façon, à Neverland, moi, à l'époque où ils en parlaient de Neverland, déjà il se passait. Déjà, il y avait des rumeurs comme quoi il invitait des gamins pour leur faire des choses. Comme quoi que Michael Jackson, il les invitait dans du Neverland pour leur faire des choses pas très catholiques. Déjà, à l'époque. Alors, ça, Neverland, je veux dire, la réputation de Neverland, hein, ça fait... Ça, j'entends. C'est tranquille, Neverland. Moi, j'y vais demain. Tiens. Ouais. Heureux, Victorine. Oh, mais c'est mon copain, Michael Jackson. C'est mon pote. Ouais, ton pote. Moi, j'aime sa personnalité. J'aime ce qu'il a fait pour les pauvres petits gosses, là, dans le Bronx. C'est pas tout le monde qui a créé un parc hein, pour les plus démunis. Hein. C'est pour ça qu'il s'est fait incendier. Mais il a quand même fait des attouchements sexuels, hein. C'est pas... Okay. Ouais, il a fait des soirées de pyjama. C'était un enfant dans sa tête. Ah non, il a pas... C'était son parc. C'était un truc comme Walt Disney. C'est Bienvenue chez Mickey, quoi. Non. Donc, bon... Il a fait des attouchements sexuels et tout ça. Non. C'était un pédophile. Ah non. C'était un pédophile. Ah bah si. Tu crois pas. Ça, tu le vois bien, le bonhomme. C'est un putain de danseur, le mec. C'est pas un pédophile, le mec. Et un pédophile. Pareil. Moi, j'y crois pas. C'est des conneries, tout ça. Peut-être pour toi. Tu sais, dans la vie, tu te fais des millions d'amis, mais tu te fais aussi des millions d'ennemis. Hein. Victorine, t'as... Ouais, comme je t'ai dit, le truc qu'il a fait pour les gosses, là, tout le monde était jaloux, quoi. C'était un truc de dingue. Regarde, même en France, il n'y a même pas un mec qui a construit un parc d'attractions pour les pauvres gosses. Et crois-moi, le premier qui le ferait, bah demain il se ferait incendier la même chose que qui est arrivé à Michael Jackson. Oh, il y a des trucs de pédophilie et tout. Ouais. Mais t'en fais quoi les témoignages? T'en fais quoi? Témoignages? Mais
Regarde, ces gens-là, ils ont demandé quoi en échange après? Bah, de l'argent. Entre 7 et entre 5 à 15 millions de dollars. Bah, oui, de dommages et intérêts. Bah non, franchement, moi, s'il y aurait eu ça... Quel est l'intérêt et... Je suis pas comme les ça à gars gratter de la thune. et les gars et les gars ils ont les gars Ça vient pas ils d'eux, ça doivent vient avoir des mon parents, âge de la famille, ça. et les gars ils doivent avoir mon âge, Mais... ils doivent avoir mon âge ou même ton âge, Damien, enfin plus mon âge que ton âge. Quel intérêt ils auraient maintenant à dire devant la caméra, parce qu'en plus apparemment ils ont dit ça au tribunal devant un juge. Mais même ma maîtresse en voyage scolaire, elle est habillée en pyjama lors des soirées pyjama. Ça fait pas d'elle d'une. Ouais, bébé. Oui, Flocky. Qu'est-ce qu'il y a? Il a pris l'avion. Si t'as envie il de a pris l'avion, avec il s'est. Gosses, tu t'habilles en pyjama. Il a pris l'avion, oh, il les s'est. Gars, ne faites pas. Non, écoutez, sérieux. Ne faites pas la mise à jour sur Apex. Je l'ai fait. Pourquoi? Oh putain, tu peux plus jouer, hein. Tu es mort. Comme moi. Pourquoi? Il y a eu un bug et ils ont bloqué le jeu. Il n'y a que ceux qui ont l'ancienne version, comme il y a remettra plus tard, qui peuvent jouer. Non, on peut plus. Oh, ah ça bon va aller mieux. Non, mais tu vois, si ça marche pas, c'est que la mise à jour Xbox, ça va pas tarder à venir dans la soirée. Ils ont bloqué le jeu? Demain. Pourquoi? Non, ça a planté, ouais. Ils ont bloqué le jeu pour l'instant. Salut, meringue. Sauf ceux qui ont l'ancienne version. Mon petit sucre. Ils sont cons. Sauf si tu n'as pas fait la mise à jour, VV, hein, parce que la mise à jour, c'était il y a 10 minutes. Hein. Bah, trop tard, je l'ai fait. Même pas, enfin, 30 trop tard, je l'ai fait. Mais regarde, essaie de le lancer, tu vas voir recherche. Non, non, mais je. Non, mais on te croit, on aucun croit, serveur trouvé. Non, mais on te croit, ok. Mais pourquoi ils ont fait ça, ces bons deux cons? Bah, il y a eu un bug. Ah, bah, et Damien, 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 notre ami en commun, il pourra plus streamer sur. Pourra plus streamer sur Apex. C'est con. Hein, Damien? Hein, Damien? Ouais. Non, 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 mais un autre ami québécois. Hein, ah. Il pourra plus streamer sur Apex. Si ça fonctionne pas. S'il fait un mille jours, s'il fait un mille jours, puis qu'il se retrouve comme un con, il peut plus jouer. C'est con, hein. Il non, aura plus. Demain, quand même, ils vont le réparer, quand même, non? Oh, oui, oui, oui. Par contre, ceux qui ont fait la mise à jour, ils perdent tout, hein. Ah bon? On va plus rien avoir, on repartira à zéro. Hein. Ah bon? D'après ce qu'ils disent. Hein. Ah bah ça va encore gueuler dans les forums. Comme d'habitude. Comme d'hab. Ben ceux qui ont mis de la thune dedans, ouais. Moi c'est pour ça, je mets jamais de l'argent sur Fortnite, sur. Jamais, 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 jamais. Et j'en mettrai jamais. Ouais. Par exemple, Fortnite, hein, par exemple, un truc sur Fortnite, que tu sais peut-être Plucky. Un truc sur Fortnite, par exemple. Ceux qui par exemple, si... moi j'en avais un sur PS3. Il a vu que j'étais sur la One, donc il a voulu jouer avec moi sur la One et il a voulu installer Fortnite sur la One. Mais comme il était avant sur PS4, il est allé sur la One et il s'est aperçu sur la One que son compte qu'il avait sur PS4, il pouvait pas le récupérer sur la One. Ce qui fait que tout ce qu'il a acheté sur la PS4, et ben sur la One, il a dans l'os. Donc quand il a vu ça, comme il avait mis pas mal d'argent sur le jeu, et ben moi il m'a dit, moi désolé, mais moi Fortnite j'ai mis pas mal d'argent sur la PS4, comme je peux pas récupérer mon compte sur la One, ben moi désolé, mais ça, mais moi je retourne sur la PS4. Voilà. Voilà l'intelligence de ceux qui font les jeux. Bref. Voilà. Ah tiens, on s'appelle Flocky, t'as. Je sais pas si t'as entendu aujourd'hui. C'est marrant pour m'énerver. Je sais pas si t'as entendu aujourd'hui. T'as notre ami, enfin, c'est peut-être pas le tien, mais bon. Salut Meringue, j'ai pas vu. Flocky, pardon. T'as Macron, il a été invité. T'as Macron, il a été invité par les trucs corse là, les je sais plus quoi corse là, et il a refusé apparemment.
Il a refusé apparemment de venir. Ouais. Il veut parce qu'en en fait, on les a, on a boycottés. Ils veulent pas monter. Ils veulent pas. Ils veulent pas monter le voir. Ils veulent pas. Ils veulent pas monter le voir au village où il va arriver. Ah, ils veulent pas, ouais. Et demain, il y a Isoula Morte. Ça veut dire que demain, personne travaille. Ah, donc, ils sont d'accord avec moi. Ouais, je sais, ouais. Ouais, je sais, ouais. Ils en ont parlé ce matin à télé. Ils en ont parlé, ça. Evil Morte, ouais. Vous aimez. Vous l'aimez, Macron, hein. Apparemment, les Corses, Macron. Ouais. Non, même pas. Macron, il y en a un Corse, je sais plus de quel coin il était en Corse. Il me dit, de toute façon, Macron, lui, il parle, mais. Voilà. Oh. Manuel Macron. Apparemment Macron il va pas être, il va ou alors tous ceux qui vont ou alors tous ceux qui vont être à l'article qu'on va sûrement qui va sûrement diffuser en direct, ça va sûrement être les sympathisants de Macron en Corse. Enfin, je sais pas s'il y en a. Je sais pas s'il y en a. Ça va être parce que en fait tu vois nous en France à la Corse elle est aussi française, mais sur le nous quand on la première fois qu'il nous a montré ça sur la enfin à télé en direct. Comme ma mère me disait, en fait, dans la salle, quand ils interrogent les maires, en fait, c'était tous les maires qui étaient pour lui, pour Macron. Les maires, par contre, qui étaient contre lui et qui n'ont pas voté pour lui, et puis qui l'aiment pas, hein, clairement. Bah oui, bizarrement, ces maires-là, allez, hop, dégagez. Et en fait, ils prenaient que les maires qui étaient, et puis les maires, tout ça, que pour Macron. Donc demain, en Corse, quand il va faire sa question, là, comme il a fait sur le machin, bah ça va être... Les rares sympathisants, parce qu'il ne doit pas en avoir beaucoup, les rares sympathisants corse qui sont pour Macron. Tu vois? Ouais. Sûrement. Bon, il ne doit pas en avoir des masses. Hein. Mais. Ça. Mais tu vois, je comprends pas pourquoi que Macron qui l'a refusé. Puisqu'il a été invité. Pourquoi qu'il l'a refusé? Ça, je comprends pas. Pourquoi qu'il l'a refusé? Parce que c'est un guignol. Il avait peur que quoi? Il avait peur que ça. Il avait peur que quoi? Que sa limousine. Elle fasse boom, quoi. Il y avait pas que quoi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est un con. Apparemment, chez vous. J'ai eu des nouvelles de Anus, sort. C'est bien, moi. Je t'ai déjà dit que je l'avais bloqué, Anus. Je t'ai déjà dit que je l'avais bloqué, Anus. Donc, de toute façon. Tu vas lui reparler, vous allez lui reparler. Ah non, non. Il va venir s'excuser là, à Gagnon, on l'a dit. Moi non. Il peut me lécher les pieds, mais là. Moi non. Moi non, toujours. Moi non. Après, Damien, il fait ce qu'il veut, mais moi non. Eh non, je rigole. Je pardonne tout le monde, moi. Ah bon? Charmant. T'y crois vraiment à son histoire qui regrette ce qu'il a dit, etc. Hier, il était mal, hein. Il était en dépression. Ouais. Ça marche pas, ça m'énerve. Oh ben, si je te pas de. Je suis dégoûté, là. Tu joues à quoi, du coup? Fortnite? Un petit bon, allez. Non? Bah, attends. Fortnite? Pas quoi jouer, du coup? Bah, Fortnite? Non, j'ai jamais joué à Fortnite. Ah. T'as l'air, j'ai dit... Comment ça marche? T'as peut-être pas entendu quand j'ai dit, mais j'ai... Vu l'âge que doit avoir Floki, à mon avis, Fortnite... Déjà que moi, quand j'y joue une heure, j'en ai marre. Alors... Non. Et tu sais que Fortnite, tout à l'heure, j'ai vu ça. C'est hallucinant, quoi. J'ai vu, il y avait un gamin de 14 ans, sur Mixer, qui disait à ceux qui le regardaient, qui faisait gagner, combien 10 euros. 10 euros. Le gamin, il avait 14 ans, quoi. Mmh. 14 ans de gamin, quoi. 14 ans, quoi. Putain, mais t'y crois, toi? 14 ans de gamin. 14 ans de gamin qui fait croire aux autres qu'il va faire gagner 10 euros, quoi. Non mais t'y crois toi, ça? Non mais 10 euros, quoi. N'importe quoi. Moi je peux dire que c'est pas mes parents qui m'auraient laissé faire. Putain, c'est le bruit. C'est pas mes parents qui m'auraient laissé à 14 ans dire sur la console, ouais, jouez avec moi, vous allez voir. J'ai gagné 10 euros. Ouais, c'est ça, t'as raison, 10 euros. T'as des gamins, toi, Floki? Ou t'es comme moi, t'as pas de gamins? Et moi, oui, j'ai un gosse. Ouais. Ah. De 5 ans. 5 ans? Oh, bon, trop jeune pour jouer à Fortnite. Trop jeune.
Non, parce que t'imagines, toi, ton gosse, il va sur Fortnite, puis il dit à ceux qui le regardent, ouais, vous voulez gagner, petit héros? Ouais. Non, mais n'importe quoi. Allez, un petit bijou pour meringue. Ah oui, mais je suis le premier meringue, hein, 10 euros. Et le gamin, en plus, alors non seulement le gamin avait 14 ans, et puis en plus, il avait un parler. comme les gamins, comme les gars avec lesquels j'ai joué sur Destiny 2, pareil. Ah, des noms d'oiseaux. Par exemple, un exemple de mot que j'ai entendu tout à l'heure, ouais, connard là, entre culé là. Ah, des fois j'ai mes oreilles qui saignent. Des fois, j'ai mes oreilles qui saignent. Parce que quand je les entends parler. Pas toi, Flucky, quand t'entends des gamins qui ont moins 10, 15 ans, 14 ans même, parler comme ça? Moi, je l'ai. Va niquer ta mère, tout ça. Moi, c'est. Moi, j'ai les oreilles qui. Les oreilles qui saignent, moi. À chaque fois, j'ai les oreilles qui saignent, moi. J'ai les oreilles qui saignent. Ouais, moi, ça me. Wouah, vache. Quand je les entends parler comme ça, je me. Quand je les entends parler comme ça, je me remémore moi à l'époque quand je parlais. Si j'avais le malheur de dire, si j'avais le malheur de parler comme ça à ma mère, à moi c'était pop pop et hop. Tiens, l'autre jour il est venu ton pote d'ailleurs, tu sais, celui qui a le jeune là. Ah oui, je sais comment il s'appelle. Gogo. Ouais, mais je suis parti. Il a la voix trop fine, ça m'éclate les oreilles. Gogo, non, il a pas la voix fine. Tu veux que je te montre l'exemple du moins fine? Ça va. Alors. Quand t'as un gamin de 10 ans qui parle comme ça, là, crois-moi que là, tes oreilles. Comme ça. Ah, voilà, mais non. Alors. Une fois, j'en ai eu un gamin comme ça, il disait tu viens, on va jouer à GTA. Oh putain, mon dieu. Alors, quand t'as deux gamins comme ça dans le groupe d'amis, avec la même voix que je te fais. Putain, t'as les oreilles, comme ça quoi. C'est. Oh la vache! Toi, prépare un bon repas, hein. Samedi prochain, il a dit. Il a gueulé. Neymar, c'est un beau gosse. En quelle langue il va falloir que je te dise? Je ne suis pas à Gueugnon. Je sais même pas où c'est Gueugnon dans la France. Pourtant, je suis français, hein. Je sais même pas où c'est. Lui, hein. Oh purée, mais attends, mais. Je ne connais pas Gueugnon. C'est quoi? Tu sais quoi? Attends, je vais prendre mon téléphone. Hein, après tout, on n'est pas plus con que con. Hein. Attends. Je vais voir sur mon téléphone où est cette putain de ville Gueugnon. Parce que. Hein, pour dire une bonne fois pour toutes, où est cette ville Gueugnon? Qui va arriver à Gueugnon pour rien alors, du coup. Mais j'habite pas Gueugnon. C'est ça le pire. C'est que j'habite pas Gueugnon. C'est ça le pire. Attends, c'est où Gueugnon? Eh, mais c'est ce que j'ai dit. Attends, je vais te dire. Attends, je vais te dire où c'est Gueugnon. Attends. Gueugnon. Attends, c'est où Gueugnon dessus. Attends, je vais te dire où c'est Gueugnon. Attends, je vais te dire. Précisément où c'est. D'accord? Attends. Tant que ça arrive. Pourquoi qu'il me sort Gueugnon en plus? C'est où ce gars-là? Attends, c'est où Gueugnon? C'est où abandonné sur. Attends. Oh là là, ouais, je suis même pas. Qu'est-ce que c'est Rome ici? C'est Marlis ou ici? Je suis même pas dans le. Attends, ici évêque. Parce que t'imagines, oh! Oui, quoi? Si ça fait une dépression, et au le travail. Et le 71. Dans la lave, là. Et lui, il travaillait. Et 60... c'est ouais. Dans le 71, Gueugnon. C'est dans le 71, Gueugnon. Et je suis dans le 89. Tu vois un peu le truc. Et c'est pas la lave, hein. D'à côté. Je pensais que c'était la lave. Non, c'est pas la lave. C'est pas la lave. C'est à 10 km. Mais n'importe quoi, c'est pas à 10 km. Pff, n'importe quoi. Et puis, non, mais et 71. Non, pas compte... 10 km, j'ai des conneries. 11 km, c'est. 11 km, n'importe quoi. N'importe quoi. Oh, j'ai la grosse tête.
Ouais, t'imagines, c'est une dépression, il se jette dans la lave au travail, parce qu'il travaille dans un truc où il y a de la lave. Je sais, il est métallurgiste. Mais il est métallurgiste aussi. Ouais, dans la... Et c'est pas la lave. Dedans, lui, c'est pas de la lave, c'est du feu, je sais pas quoi. C'est du feu, je sais pas quoi, je vais m'expliquer. Je pensais au début qu'il y avait un volcan par chez lui, mais non, y a pas de volcan. Sur les îles qu'il y a à côté, oui, mais pas sur son île à lui. Puis de toute façon, je vais dire quelque chose, quand il travaille là-dedans, il est jamais seul, hein. Il y a toujours un collègue à côté. Donc, s'il le voit faire, il va... Il se suicide, hein. Mais il est jamais seul dans son machin. Une fois, il m'avait montré avec son téléphone. Une fois, il m'avait montré avec son téléphone où il travaillait. Il est jamais seul, jamais. Mmh. Il a toujours de l'occupation, il a toujours quelqu'un qui est à côté de lui. Alors, comment tu veux qu'il se suicide? C'est pas possible. Voilà, faut vraiment que les mecs ils se barrent et puis qu'ils aillent faire je sais pas quoi pour qu'ils laissent seuls. Non, possible. Moi, je dis attention. Attention. Il était triste. Triste, c'est pas triste. C'est pas. Fais-moi rigoler, tiens. Triste. Elle me rend. Triste. Moi, je fais n'importe quoi. Tu fais quoi? N'importe quoi? Et une fois, tu sais pas ce qu'il m'a dit une fois. Il m'a dit une fois, et d'ailleurs, je lui dis que je... Et d'ailleurs, moi, je me rappelle, je lui avais dit, bon, tu... Et d'ailleurs, j'avais dit, bah, tu, comment dire, tu prends du noir, c'est pas grave. C'est bien. D'ailleurs, une fois, moi, j'avais dit, ouais, c'est pas grave, tu prends du noir, c'est pas grave. Il avait parlé, il m'a dit, ouais, je vais t'acheter tout le jeu que tu veux, etc. J'ai fait non, bah, je fais non. J'ai dit, je vais t'acheter tout le jeu que tu veux, etc. J'ai dit, non, c'est bon, les jeux, c'est bon. Est-ce qu'il t'a acheté des jeux, Flucky? Parce que moi, il l'a fait avec moi. Est-ce qu'il t'a acheté des jeux? Parce que moi, il l'a fait. Il l'a fait à moi, il l'a fait à Damien. Est-ce qu'il t'a acheté des jeux, toi? Parce que moi, la première fois que je l'ai connu, que j'ai croisé ce mixeur, moi, une fois comme ça, j'étais en train de parler, et puis tu sais, j'étais en train de dire, bah tiens, le mois prochain, moi, j'aimerais bien jouer à Battlefield 5. Bon, puis j'ai comme ça, tu vois, je lis comme ça, bon, ouais. puis bonjour. Puis un seul coup, je vois un message sur le truc. Puis je vois, et puis je vois, Agnus de Poupe vous a offert un cadeau. Puis je vois le cadeau, ouais, puis acheté quoi? Attends, puis je vois le cadeau, je sais rien. Puis il m'a acheté Battlefield 5. Il m'a offert Battlefield 5. Moi, je lui dis. Gentil, oh. Ah, attends. Puis moi, je dis, attends, t'es pas sérieux que j'ai fait, hein? Puis par écrit, il me fait, si, c'est le jeu. Puis moi, j'ai gêné parce que moi, j'avais prévu de me l'acheter moi, sinon. Puis j'étais pas non plus pressé à la seconde, bon. Puis, bon, comme ça. Et puis, Puis une autre fois, pendant que je faisais, je parlais du jeu d'Assassin's Creed 3. Pareil, je disais, bah tiens, je vais me l'acheter là, quand je pourrais, etc. Il m'a entendu le dire. Et pareil, je reçois un autre message. Agnus de Poupe vous avez offert le jeu. Et puis là, à un moment, je dis, non mais Agnus, là, faut que t'arrêtes, là, parce que... À un moment, je dis, non mais... Agnus, faut que t'arrêtes là, parce que là, c'est bien gênant. Hein. C'est bien gênant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pas les moyens de marcher les jeux. Non, c'est bien gênant. Et Damien, il me disait, Agnus, il me disait, non, c'est pas, t'inquiète pas, si j'ai fait ce que je peux. Jouer, mais là, c'est. Puis je lui dis, mais comment ça se passe quand tu offres un jeu? En fait, lui, ce qu'il faisait, il a acheté deux fois le jeu. Une fois pour lui et une fois pour moi. Pour me l'offrir. J'ai fait non mais là c'est trop là. Mais moi il m'a pris Red Dead Redemption 2. Et voilà, donc c'est... Petite salopard. Gentil, mais bon, quand t'as rien demandé... un cadeau de Noël, de ça. Eh mais moi aussi c'était un cadeau de Noël, je fais gentil, mais bon, Noël... voilà, donc c'est quand même assez... Wow, quand tu t'attends pas aussi, c'est... voilà quoi. Quand tu t'attends pas, franchement... C'est pas... Toi aussi, hein, Floki,
Toi, par contre, Floki, si j'ai un conseil à te donner, Floki, enfin, à moins que. Enfin, si j'ai un conseil à te donner, évite de lui dire si t'es en couple d'amis avec lui, tiens, tu voudrais t'acheter le jeu machin parce que. Boum. Et regarde, ah, bah, regarde la meuf. Hein, quoi? Quand tu veux, je m'achète de suite. À moins qu'il soit plus rapide que toi. Hein. À moins qu'il soit plus rapide que toi. Oh putain, qu'est-ce que c'est cette merde. Bah, t'as pas d'autres jeux que Apex, Floki? T'as bien d'autres jeux que Apex quand même. Oui, j'ai BF5. Et bah alors, je joue à BF5, en attendant. Non mais il est nul. Oh, arrête, il est pas nul, arrête. Il est pas nul. Je l'ai, moi, BF5, il est pas nul. Fais du match avant en équipe. Oh, trop lent, trop lent. Bon, c'est vrai que c'est vrai que les parties, je l'avoue, sont... Bah, en attendant, tu vas quand même pas t'emmerder devant ta télé à pas pouvoir jouer à Apex. Je vais aller m'occuper de madame. Ah, madame. Ah oui, ça, je te conseille. Je te conseille de t'occuper de madame. Parce que moi, une fois, j'avais un copain de lycée. Il a préféré s'occuper de sa console que de s'occuper de madame. Sauf que madame... Sauf que madame, un jour, elle lui a dit, soit c'est moi, ou ta console. Bah, il a fait un choix. Il a choisi. Sauf que madame, bah... Ah, quoi. Il était constamment sur la console, il s'occupait jamais d'elle. Puis, bah, voilà, quoi. Bah, je m'en fume une et je me casse. Bon, les gars, moi, j'y vais. Ouais. Alors, en tous les cas, merci pour l'information. Hein. Yes, merci pour l'info. Hein. Ouais, mais c'est trop tard. Ah ouais, moi j'ai la merde maintenant. Moi je l'ai fait, bon bah voilà, Damien l'a fait aussi. Ouais. A plus, allez. Ah alors. Bah on verra bien. Ouais. Ah, d'ici demain quand même, demain ils vont le remettre, non? Ah, attends, je vais essayer. Normalement, il faut que tous les gens aient la mise à jour. Et puis, normalement, ça devait sortir là, une mise à jour Xbox. Bon. On verra, Floki. On verra. Ouais, ils te disent aucun serveur trouvé. Récupération de je sais pas quoi. De liste. Bon. Et ça fait un code d'erreur sur Apex? Non, tu mets par exemple pour rentrer dans Apex. Ça te met non-stop, ouais. Récupération, liste, mime, je sais pas quoi, là. Et après, ouais, aucun serveur trouvé. Non, mais cherche pas, c'est qui bug, cherche pas. Parce que moi, c'est connexion impossible au compte. La merde. Bon, allez, c'est pas grave. Pas aucun serveur trouvé. À demain. Demain. Ça roule. Ah, ça va se débloquer plus tard, ça. Oh oui, sûrement, peut-être. Ah, il faut peut-être redémarrer la console aussi. Moi, je l'ai pas redémarré. Bon, ça vient de... C'est pas plus mal. Victorine, je sais pas si elle me regarde, Victorine, encore. Je sais pas si elle me regarde, Victorine. Parce qu'elle m'a mis en ami, Victorine, mais je sais pas si elle a un micro, puis je sais pas si c'est une fille ou un mec. Ça, c'est pas Victorine. Je sais pas si c'est une fille ou un mec. Ça. Pour moi, Victorine, c'est une fille, mais... Je sais pas. En tous les cas, si... Un meringue, c'est une fille, hein. Hein? J'ai une fille. Meringue, c'est une fille. C'est une fille, meringue? Non, c'est pas une fille. C'est une fille, meringue? Je sais pas parce que la fille que j'ai mis la Victorine, je sais pas si elle est en groupe, je sais pas si elle a un micro. Victorine? Eh, c'est tous des bonhommes, Hervé! Ah merde, elle peut connecter. Bon allez, je fais encore une partie et puis après j'arrête. Je fais encore une partie et après j'arrête.
Qui vont se coucher tard ce soir alors. Bah moi j'arrête parce que j'ai regardé tout ça à l'œuf. T'arrêtes de jouer? Ouais. Regardez mon truc sur la neuf. C'est vrai que j'ai un film à voir, Overlord. Ah, Overlord, j'ai vu ça. Mais en tous les cas, si sur Apex, tous ceux qui ont acheté des choses sur Apex, ils ont perdu, à mon avis, ça va. Je pense que ça va râler. Je pense que ça va gueuler. Parce que s'il y en a... Parce que c'est comme si sur Fortnite, c'est pareil. Ils faisaient un mis à jour et puis que tout ce qu'ils ont acheté, pouf, ils perdent tout. Là, à mon avis, je pense que ça va. Je pense que ça va pas le faire. Oh purée. Et t'es là le mec là quand j'ai rejoint ta diffusion qui était en partage de manette avec un mec là. Ouais. Vous avez réussi à faire un top 1 ou non? Pas réussi. Non. On a pas réussi non. Mais le mec il s'était dit qu'il avait de la latence ou pas latence? Je sais pas, j'ai pas. Ah ouais, c'était un petit peu compliqué, il était avec le clavier apparemment. Ah bon? Après je lui ai pas vraiment demandé. J'ai pas vu sa réponse. Mais ouais, c'est un peu galère hein, partage de manette. C'est pas instantané, tu vois. Ouais, c'est le problème. C'est pas pour les FPS, hein, c'est pour les mini-jeux. Les mini-jeux cool, quoi. Une fois, il y en avait un qui avait réussi à faire un niveau sur mon Lego. Et pourtant, il avait de la latence. Hein. Bon, le mec, il avait dit, c'est bon, j'ai réussi parce que c'était pas trop dur. Mais vrai que faire un niveau entier avec la latence, ça, c'est... Quand j'avais testé sur ton jeu de Star Wars, là. J'avais essayé, mais non, c'est... Pourtant, toi, t'as la fibre, ben non. Pourtant, toi, t'as la fibre, ben, plus bien que la fibre. Quand j'appuie sur un bouton, c'était pas tout de suite, ben, c'était... Pas simple, quoi. C'était vraiment pas simple. Tiens, Il y a encore des gens qui te répondent sur le chat. Parce que moi, je le vois pas, ça déconne. Non, mais... Bah, là, j'en ai trois qui me regardent. Bah, toi, et sûrement deux autres qui me regardent, mais je sais pas, non. Non, mais personne me parle sur le chat. Non, mais ça déconne pas. Non. Personne me parle sur le chat. C'est quand tu vois pas, tout, c'est que ça... Tu vois pas le message, c'est que non, il parle pas, non. Il me regarde, mais il parle pas. Aussi, je préfère ça. Hein. Je préfère ça. T'as là quand j'ai joué avec la musique là. J'aime bien parce que t'as là qui dit ouais c'est bah Victorine elle est venue quand il y avait la musique. À un moment je dis ça te dérange la musique, je dis non ça me dérange pas du tout. Parce que, en fait c'est toi qui m'a donné l'idée de le faire avec Spotify là, que tu mets là, Spotify là. C'était bien ta musique là, Spotify. Puis la pub apparemment la pub ça a pas dérangé parce que là aujourd'hui c'était je sais plus quelle marque qui parlait à un moment donné sur la radio puis hier c'était Intermarché. Alors, bon. Ouais t'en as pas énormément quoi. Un petit peu. De toute façon, la pub, hein. C'est la pub hein, qui fait payer les. C'est la pub hein, qui permet aux. C'est la pub qui permet à ces sites-là de. Qui permet à ces machins de. D'exister.
Sans la pub, hein, il serait pas là. Hein. Ah, mais bon. Avant, j'utilisais une autre application. Avant, j'utilisais une autre application de la radio, mais la radio que j'utilise, Énergie, elle était plus. Ou là, parce que Énergie doit certainement payer pour oser pour que ça passe sur les applications, et puis cette application-là, bah, Énergie, apparemment, ils avaient pu payer, ou je sais pas quoi, enfin bref. Donc, bah, là. Oui, tu me fais bailler, tiens. Tu me fais bailler. Je suis crevé. Tu me fais bailler. Avec les games que j'ai fait, hein, cet après-midi et tout. Ah, mais ça fatigue les streams. Hein. Ça fatigue. Hein. Ouais, pour, ouais. Ceux que, pour ceux que quand il y en a un qui disent oh, tu t'arrêtes, moi je m'arrête. C'est bah, quand les fois, quand les autres là que je jouais avec eux sur Division 2, hein, j'ai fait des missions avec eux et encore une mission qui a bugué parce que. Une mission qui a bugué en plus. À un moment, j'arrête. Pas non, j'arrête là. Ah, t'arrêtes, machin. Oui, j'arrête. Puis en plus, j'aimais pas trop la façon de parler. En plus, alors, c'est pour jouer avec eux, puis que ça s'insulte. Alors, déjà que le stream en lui-même, c'est fatigant parce que ça prend les yeux, etc. Parce que c'est des yeux qui se fatiguent. Alors si en plus il y a des mecs qui s'envoient des noms d'oiseaux, non, pas la peine. Comme les gamins, c'est pareil, les gamins de tout à l'heure. Je me demande comment ils font les mecs, hein, pour jouer avec des gamins. Comment ils font, hein. Asrod il joue qu'avec des gamins, hein, sur ce mixeur. Il joue qu'avec des gamins. Je sais pas comment il fait, lui. Une fois, j'avais rejoint sa diffusion, quand il écoutait les mecs qui jouaient avec lui, c'était des gamins, quoi. Des gamins qui avaient 10-11 ans. Ça, je sais pas comment il fait. Hein. Alors, il jouait avec des gamins, t'avais les gamins dans le chat, enfin, ceux qui parlaient dans le chat, à mon avis, vu leur façon de parler, ça devait sûrement être des gamins. Je sais pas comment ils font. Franchement, je sais pas comment ils font. Les mecs, franchement, ils sont balèzes. C'est franchement moi. Ah non. Puis comme tu l'as dit hier. On est trop vieux pour ces conneries. Oh purée. Ah la vache. Il fait manquer, j'arrête, hein, parce que non, je commence à bailler. Bon. Ouais, apparemment, il y a quelqu'un en détresse, j'ai entendu, là, qui va se foutre dans la lave. Ouais. Je sais pas, se foutre dans la lave. Quand on a de l'argent comme il a, comme parce que apparemment, monsieur Anus a beaucoup plus d'argent que nous. Alors, tu sais, quand tu peux payer deux fois un jeu qui coûte 50 euros ou 60 euros le jeu. Ouais. Je vois pas trop. Le jeu qui t'a acheté, bah, il paye combien? Il devait coûter 70 euros, tu dis comme ça? Red Dead. Alors, ouais, quand... c'était à Noël. Hein. Alors, quand on peut. Ah, tiens, bah tiens. Alors, quand on peut payer deux fois 70 euros, on ne se suicide pas. Alors. Bah, on ne ouais. se suicide pas. Voilà, c'est qu'on tient pas à la vie. Quand on a de l'argent comme lui, parce que lui apparemment il a l'air d'avoir l'argent. Il est pas malheureux à ce niveau-là. Apparemment. Ouais, mais il est en dépression à cause de quoi? À cause de toi? Je comprends plus rien. C'est vrai. Y'a pas grand chose à comprendre. Y'a qu'à venir te parler au lieu de passer par quelqu'un. Et je l'ai bloqué, Anus, il peut plus me parler. Ah oui, c'est vrai. Donc de toute façon. Non. Il a qu'à parler à son ami là qui l'a sur mixeur là le. Il vient de la même que lui là, c'est un. Il y a qu'à lui parler à lui.
Il a même... Il vient de la même... À un moment, tu disais que t'aimais pas Bannir. Tu voulais pas ressembler à ces mecs. Bannis. Ah non, j'aime pas Bannir, moi. J'ai horreur de ça, Bannir. Horreur de ça. Mais bon, des fois... J'ai horreur de ça, Bannir. Horreur. Mais bon, des fois... Des fois, t'as pas le choix. C'est pareil. Des fois, t'as pas le choix. Moi, je bannis plus. Ouais, bon. T'as vu les messages des autres la dernière fois, hein, sur Twitch. Les messages, ouais. Messages en forme de beat, là, je sais pas quoi. Ouais, c'était un bordel. Alors, si tu bannis pas ces mecs-là... Je sais pas, c'est un peu bizarre, hein. La dernière fois, c'était le dimanche. Après, en semaine, l'après-midi, tout comme le soir aussi. Ce que j'aime pas ce mixeur, c'est ceux qui te bannissent parce que tu vas dire un truc qui va pas... Tu vas pas dire un truc limite de méchant, pourtant. Mais ils te bannissent parce que tu vas pas dans le même jeu qu'eux, tu vas pas dans le même sens qu'eux, donc paf, ils te bannissent. Moi, je bannis pas ceux qui pensent différemment de moi. Tu vois. Je bannis pas ça, moi. Parce qu'on peut, avoir des avis différents sur différents sujets. Je bannis pas pour ça. Je bannis pas pour ça. Voilà. Sur Hervé, y a pas que moi et lui hein, sur Xbox Live. Hein. Des gens, y en a plein. Faut juste chercher. Quoi. Je veux dire, ce mec. Il y a qu'à faire pareil, lui, là. Quoi? Au lieu de. Ah, mais je lui dis quand. Quand j'ai vu qu'il m'avait viré de, quand j'ai vu qu'il m'avait viré de ses amis Xbox, bah quand il m'a dit qu'il m'avait viré de parce qu'il il faisait plus partie de, enfin bref, j'ai dit bah pour trouver un Français comme moi bah je te souhaite du courage, parce que t'es, à mon avis t'es pas prêt à en trouver, hein. T'es pas prêt d'en trouver. Surtout sur Mixer. Mixer, pour trouver des mecs comme moi, bah accroche-toi. Parce que ces Mixer, ils sont tous. Ces Mixer, ils sont. Bah, je dirais qu'il faut pas tous les mettre dans le même. Il faut pas tous les mettre dans le même panier. Mais bon. Ouais. Et mecs comme Red Vulcan, Cutie, Asrod et Metagame. Enfin, non, pas Metagame. Moi, ce qui me saoule, c'est les mecs qui parlent trop violemment. Oh putain, je suis mort, ils sont là. Ah, comment il s'appelle l'autre là, oh, mon OBZH, j'en passe. Lui aussi, tu l'aimes pas? Ah non, ce mec là, non, je l'aime en plus. Ce mec là, la première fois que je l'ai croisé sur. C'est au début, au tout début, quand je savais pas trop comment streamer sur. Comment streamer en manière générale. Au début, je suis allé le voir pour. C'est au début, je suis allé le voir pour lui demander comment on faisait pour. C'est pour faire une capture d'écran. Parce que j'avais entendu dans les différents streams que je regardais qu'il fallait faire une capture d'écran. Et donc, moi, je lui demande, gentiment, hein, je lui demande est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait. Et le mec, hein, je te mens pas. Le mec, il a pris 3 secondes. Montre en main, pour me montrer. 3 secondes. Alors en 3 secondes, quand t'as pas l'œil et tout, quand tu connais pas grand chose là-dedans, bon, voilà. Et donc lui, 3 secondes, il a mis. Il m'a fait, tu fais ça, poum, puis après, hop, il va sur le jeu. Et ouais. Donc moi, je lui dis, d'accord, j'ai fait, sauf que j'ai pas bien vu où t'as été. Et là, le mec, il commence à fumer sa clope. Bon, ça, il fume sa clope devant sa caméra, et puis il me dit, oh, bah, de toute façon, tu verras, c'est pas dur, tu vas dans les paramètres, etc. Bon. Donc c'était sur OBS, hein, donc j'ai 20 ans, pas sur OBS, sur Streamlabs, et donc j'ai fait, ok, d'accord, bon. Donc je me suis démerdé par moi-même pour Streamlabs, et quand j'ai réussi enfin à trouver comment il fallait faire pour faire un capteur d'écran, après, je lui ai posé d'autres questions, parce que bon. Et là, je me suis fait carrément envoyer bouler. Il m'a dit du style, ouais, de toute façon, tu m'emmerdes, tu me fais chier, etc. Enfin, bref.
Et donc après, plusieurs jours après, j'ai appris qu'il avait pris tout son temps pour expliquer à un autre streamer comment faire. Mais apparemment, il avait pris plus de temps que moi pour expliquer. Et donc ça, moi, j'ai su. Parce que tu sais, ce mixeur, hein, tout finit par savoir. Hein. Et donc ça, moi, j'ai entendu ça. Et donc, je fais le revoir. Et je lui dis, mais en fait, avec le gars, là, t'es bizarre parce que t'as pris tout ton temps pour lui expliquer. Et là, il a rien dit. Au début, il avait pas... Bon, il a pas... Puis je dis, mais comment c'est que moi, t'as pris que 3 secondes pour m'expliquer? Et encore 3 secondes, ça a été vite, hein. Pas de réponse, toujours pas de réponse. Et donc, je lui dis, mais... De toute façon, j'ai pas besoin de toi, sans... vu ton aide qui est pas efficace. Et là, à un moment, il réagit, il dit, ouais, de toute façon, tu m'emmerdes, de toute façon... De toute façon, t'es comme les autres, de toute façon, t'es comme tous les autres. Vous voulez faire comme les pros, vous êtes pas pro, t'es qu'un petit streamer de pacotille, t'es qu'un petit streamer, tu resteras un petit streamer, etc. Et là, j'ai fait comment? Pardon? Je suis un petit streamer, pardon? Tu l'as pas été, toi, petit streamer? Tu l'as pas été, toi? Ouais, moi, Ah, mais moi, contrairement à toi, je m'y connais. Je fais. Ok. J'ai fait et m'aider et me dire et m'orienter. Non, c'est pas. Et il s'est fait plein d'ennemis. Enfin, il s'en fait encore des ennemis à ce mixeur. Parce qu'en fait, il y en a, ils viennent le voir. Parce qu'ils savent qu'ils s'y connaissent là-dedans. Ils savent qu'ils s'y connaissent. Donc ils viennent le voir lui. Pour savoir comment faire. Et en fait, il envoie chier tout le monde, quoi. Il envoie bouiller tout le monde. Par contre, si t'es pote avec lui, ceux qui sont potes avec lui, ah par contre, il prend tout le temps. Hein. Tu fais ça, pas de problème. Mais si t'es pas ami avec, démerde-toi. Et quand j'ai commencé à me démerder par moi-même et à streamer comme je streamais, bien avant que j'ai le PC, et bien avant que j'ai les potes avec lui, il est venu un jour sur mon stream et il m'a dit ouais, t'as réussi, etc. Oh salut, ton flagger. Et donc là je lui dis mais c'est pas grâce à toi. Et là il me dit comment ça c'est pas grâce à moi, sans moi t'aurais pas su qu'il fallait faire le capteur d'écran, etc. Ça pour ce petit détail là, d'accord. Mais après le reste, la bulle, hein, zéro. Et depuis ce jour-là, bah voilà. Donc voilà. C'est pour ça que lui et moi, moins on se voit, mieux c'est. Bon bah écoute, moi Damien je te laisse se reposer parce que moi j'ai commencé à avoir les yeux qui... Parole, Hey, à plus tard Damien. À plus tard, tout ton flingueur. Ouais. Hey. Un petit stream. Ouais. Bon allez, à plus tard Damien. Plus tard. Ouais. Hey, moi j'arrête là. Je...